Eh bien, bonsoir à tous, messieurs, dames, merci de nous accueillir dans vos foyers, dans votre voiture, peut-être à votre travail. Une soirée magique, voilà ce que l'on vous propose avec l'association Yellow Waves et puis Saint-Pierre et Miquelon, la première, la radio. On a décidé de vous gâter. Et oui, c'est le mois de décembre. La magie de Noël a envahi notre studio avec des artistes locaux qui viennent ce soir pour partager avec nous des chansons de Noël. Ah, on aime ça. Avec moi, juste à côté de moi, le président de l'association Yellow Waves, Robin, bonsoir. Vas-y, ça va bien ? Ça va bien et toi ? Bah oui, impeccable. Merci beaucoup à l'association d'avoir embarqué avec nous dans ce beau projet. J'ai l'impression que dès qu'il se passe un truc cool au niveau de la musique, vous y allez, vous foncez. Je me trompe ? Bah oui, je pense que pour animer un petit peu, on est toujours partout, c'est clair. Puis là, c'est cool, plein de monde quand jouait le jeu. Là. Ouais, hein, c'est chouette. Hein. Le studio est vraiment beau aujourd'hui. Hein. Oui, il y a des instruments partout, il y a des musiciens, des artistes, hein, qu'on aime ça. Juste en deux mots, parce qu'on n'est peut-être pas là pour ça ce soir, mais quand même, revenir sur cette association. Vous avez démarré, mais il y a un petit moment maintenant, avec les Jeudi Jam. Ouais, exact. Hein, et depuis, bah, y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Notamment la Saline, tu peux nous en dire deux mots ? Bah écoute, on a eu un bel été là, quand on a regardé ça, tous les événements qu'on a fait, on en a fait 30 en moins. Et bon, bah, on veut que ça continue, quoi. Là, on va se recentrer sur les trucs d'hiver, parce qu'à la base, hein, c'était un peu ça, le but, c'est de faire vivre l'automne et l'hiver. Et maintenant, bon, bah, c'est cool, quoi. On va avoir de la ressource. Et puis... Et ça, c'est chouette. Voilà, ouais. Et on va pouvoir préciser à nos auditeurs également eh ben, que toutes les chansons que vous allez entendre ce soir, vous allez également pouvoir les apprécier sur notre antenne jusqu'au fait. C'est chouette. Hein. C'est le groupe Sparpart. Je l'ai bien dit, Adèle ? Ouais, c'est bon. C'est bon. Qui va donc ouvrir cette soirée avec un premier titre, Santa Claus is Coming to Town. Alors attention, ce n'est pas une version classique. Je vous laisse apprécier. Checking it twice, he's gonna find I was naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you're being bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. Making a list and checking it twice. He's gonna find out what's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you're being bad or good. So be good for goodness sake. Better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out what's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Voilà,
Voilà donc le groupe Sperpart. Ok, ça va aller. Je l'ai bien dit tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai. Première fois, c'est bon. Adèle, merci d'être avec nous ce soir. En plus, on va quand même saluer ton travail puisque tu as été le lien dans cette histoire, dans cette soirée entre les artistes et puis la station d'SPM Première. Je sens que ça t'a fait plaisir, tu étais à fond. Ah ben oui, forcément. Puis en plus, ça permet de fêter les fêtes de manière un peu différente avec d'autres chansons. Moi, je trouve que le concept était vraiment bien. Donc forcément, on y va à fond, quoi. Alors, on va retrouver des chansons avec votre groupe. C'est pas trop votre registre. Non, d'habitude, on fait plus du rock qui tâche un peu et voilà. Mais bon, là, du coup, on a repris quand même des chansons en les mettant à notre sauce. Et donc voilà, c'est pareil, c'est cool quand même. Belle version donc qu'on vient d'écouter. Version punk. Ouais, un peu punk rock finalement. On a voulu changer un petit peu de la version traditionnelle, quoi, évidemment. Et puis le morceau qui arrive, il est encore plus surprenant. Tu peux nous le présenter? Alors c'est un morceau qu'on a repris, c'était vraiment un délire quoi en fait. On l'a repris la première fois qu'on l'a joué, c'était il y a 2 ans, dans un bar de l'archipel. Et du coup, on ne l'a jamais rejoué depuis. Effectivement, bon, c'est un morceau que normalement on n'aurait pas repris, mais on nous l'avait demandé, il me semble, à l'époque. Donc on l'avait fait, et puis là on va le refaire ce soir, quoi. Il s'agit de Minuit Chrétien. On écoute. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter. Tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Voilà donc une très belle version de Minuit Chrétien, une version étonnante. Et vous allez voir qu'on n'a pas fini de s'étonner dans cette émission ce soir, parce que maintenant, c'est le groupe Rockin' Roots que nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio. Et pour nous parler de cette formation, je vais m'adresser directement à la chanteuse Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Hélène. Tu vas bien ? Ça va. Alors, Rockin' Roots, tu pourrais peut-être nous rappeler un petit peu qui vous êtes et puis surtout depuis combien de temps que vous existez, c'est pas d'aujourd'hui. Alors non, effectivement, on est les anciens Rasta Micmac recomposés, donc on a changé de nom parce qu'on est des nouveaux dans le groupe et puis on est parti sur de la musique un peu plus rock, pop, festif, reggae, enfin on essaie d'en avoir pour tous les goûts, donc voilà. Vous n'avez pas hésité à venir nous rejoindre aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour vous de participer comme ça à des événements comme celui-ci. Toujours, on n'a pas hésité, en plus d'autant plus que le président de Yellow Waves fait partie de nos musiciens, guitaristes, donc du coup, on a foncé avec très grand plaisir. Alors, quel titre nous allons pouvoir découvrir dans un premier temps? Alors, dans une première, on va vous chanter Petit Papa Noël. Alors, c'est parti.
C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc, les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Oh. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde de temps que le jour se lève pour voir si tu es à portée. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Alright. Marchons tous sur les passés, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos, au son des cloches et des églises, ta distribution de surprise. Petit papa Noël, Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. À cause de moi. Mais quand tu seras sur ton beau nuage, passe d'abord sur ma maison. Je n'ai pas toujours été très sage, mais je demande pardon. Petit papa Noël, Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Rockin' Roots dans la radio. Ce soir, je vais me rapprocher encore de Laurence. On peut saluer quand même la prestation d'Arnaud, non ? Oui, bien sûr. Arnaud qui a chanté principalement cette chanson. Je l'ai juste accompagné sur les refrains. Donc, Comment s'est fait le choix de ces deux titres, hein, parce que vous allez nous interpréter un autre titre. Ça a été une réunion assez difficile ou au contraire, tout le monde était assez d'accord ? Non, ça s'est fait bonne ambiance dans la rigolade. Et puis, les garçons ont choisi cette chanson. Donc, ils ont répété la première répète. J'étais pas là, donc ils l'ont fait entièrement masculin. Et puis après, je suis arrivée. Donc, j'ai juste posé ma voix pour accompagner Arnaud au refrain. Et puis, voilà, ça s'est fait comme si on avait déjà répété ça. Donc, ça veut dire que le titre qu'on va découvrir maintenant, c'est toi qui l'as choisi ? Non, tous ensemble aussi. Mais c'est moi qui vais la chanter principalement. Et puis, ça sera l'inverse. C'est Arnaud qui m'accompagne sur les refrains. Super. Alors, il s'agit de quel titre ? Alors, il s'agit de Jingle Bells. Qu'on écoute. All right. Dashing through the snow. Come on. In a one horse open sleigh. All the fury go. Laughing on the way. Ha, ha, ha. What a thing to ride and sing this lady song tonight. Oh, jingle bells, jingle.
Rockin' Roots sur les ondes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. On vous offre ce soir une soirée spéciale Noël avec des artistes locaux qui nous font le plaisir d'être avec nous dans ce studio. Et maintenant, eh bien, une personne que vous connaissez, c'est certain. Il s'agit de Jean-François Columeau. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Hélène. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Alors, comme à chaque fois, quand on t'invite, tu réponds toujours positivement à ce genre d'invitation. C'est quelque chose qui te plaît ? Ben oui, comment dire non ? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, j'étais disponible, j'avais le temps. Donc, bien sûr, on y va, on est parti. Jean-François, on peut t'apprécier quand même assez régulièrement sur la scène de notre archipel. C'est quelque chose qui est important pour toi, je crois, de te produire. Oui, de temps en temps. J'en fais pas de trop volontairement, mais j'en ai besoin. Un petit clin d'œil à ta fille aussi qui t'accompagne assez régulièrement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle était tout à l'heure là pour l'enregistrement. Elle est partie, ça commence à être long pour elle, mais oui, elle est souvent avec moi. C'est un grand plaisir également. Noël, des chansons de Noël. On va parler de la première chanson que tu vas nous proposer. Ça a été difficile de la choisir ? Je connais que deux chansons de Noël, donc en fait, c'est très bien tombé. C'est une chanson de... On dit le titre, hein. Donc c'est une chanson de Johnny Hallyday, Noël interdit, qui est pas très connu, mais bah, c'est une chanson que j'ai connue quand j'étais vraiment très jeune et ça m'évoque beaucoup de souvenirs de rechanter cette chanson. Merci d'être avec nous ce soir, on t'écoute. Merci. C'est un Noël pour les enfants perdus, pour tous ceux qui n'y ont jamais cru. C'est un Noël pour les chiens sans collier, pour ce gosse de la rue que j'étais. Noël de ma vie, mon Noël interdit, j'aurais tant aimé croire à l'histoire. Mais mon cœur d'enfant était déjà trop grand, et mes rêves emportés par le vent. C'est un Noël pour mes premiers copains, oubliés au hasard des mauvais chemins. Une chanson pour ceux dont l'horizon est le mur sombre et gris des prisons. Noël de la nuit, mon Noël interdit, je voudrais l'oublier avec toi. Auprès de ce feu qui brille dans mes yeux, je veux être un enfant heureux. C'est mon Noël, le premier de ma vie, où le rêve ne m'est plus interdit. Voilà.
Voilà Jean-François Columon avec ce titre de Johnny Hallyday, Noël interdit. Alors Jean-François, toi aussi, tu nous proposes deux titres ce soir. Et le prochain, bien, on le connaît sur nos îles. Un choix, j'imagine, assez ciblé, une chanson locale. C'est ça, c'est ça. C'était le groupe Affaire d'Hommes, hein, qu'on n'a pas entendu depuis très longtemps. Et c'est la deuxième chanson que je reprends de ce groupe. Donc ça s'appelle L'Arche de Noël. C'est un titre évidemment complètement consacré à la nuit de Noël. Et en plus, qui parle de l'archipel. Donc j'aime beaucoup cette chanson. On t'écoute. La nuit est tombée. Dans le port frissonnent les lumières. Les rues que le vent énumère, et tous les bateaux sont rentrés. Un enfant s'endort, et la neige tombant sur la ville, la lune glissant sur les îles, dessine un rêve merveilleux. Parents voyagent dans le sillage d'un grain d'azur. À l'orée du ciel, suis cette étoile, elle dévoile l'enfant qui s'éveille au sein de l'arche de Noël. Cette nuit sera un appel du pays de l'enfance, un cadeau dont la valeur immense n'atteint pas les supermarchés. Cette nuit sera une escale dans le grand voyage du monde et de son équipage, un instant d'amour et de paix. Parents voyagent dans le sillage d'un grain d'azur à l'orée du ciel. Suis cette étoile, elle dévoile l'enfant qui s'éveille au sein de l'arche de Noël. Et nous vivrons enfin la trêve des larmes et des armes, une parenthèse dans le vacarme, loin de la peur et de la faim. Dans le sillage d'un grain d'azur à l'orée du ciel, suis cette étoile, elle dévoile l'enfant qui s'éveille au sein de l'arche de Noël. Parents voyagent dans le sillage d'un grain d'azur à l'orée du ciel. Suis cette étoile, elle dévoile l'enfant qui s'éveille au sein de l'arche de Noël. Merci à Jean-François Columon et bien de nous avoir offert ces deux magnifiques chansons. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant un petit nouveau sur la scène locale. Il s'agit d'Olivier Wisniewski. Oh là, je l'ai bien dit. Hein. Super. Très bien, merci. Olivier, vous êtes sur l'archipel depuis le mois de mai pour votre travail, mais vous êtes un amoureux de la musique, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous êtes un ch'ti, on les aime les ch'tis à Saint-Pierre-et-Miquelon, et vous me racontiez que, eh bien, quand vous étiez en métropole, vous faisiez déjà partie d'une association qui ressemble finalement à la nôtre Yellow Waves. Oui, tout à fait, en fait, j'ai une passion pour la musique depuis
mes plus jeunes années. Et puis effectivement, en métropole, ben, j'écris en fait des chansons, des textes, et puis j'ai eu la possibilité de les jouer accompagné d'amis en fait musiciens et qui au sein d'une association qui s'appelait à l'époque Faites du bruit et qui ressemblait un petit peu, qui avait le même projet en fait que Yellow Wave, c'est-à-dire de pouvoir fédérer autour de la musique un certain nombre de moments clés de l'année. Ça a dû être une belle surprise donc pour vous en arrivant sur l'archipel. Oui, c'était une belle surprise et surtout c'était surtout de très belles rencontres, notamment la rencontre de Jean-François qui m'a accueilli, qui m'a permis de partager avec lui à plusieurs moments la scène et présenter mes chansons, mon univers. Sachant que je suis juste un artiste amateur, c'était vraiment un grand plaisir pour moi. Alors, vous êtes auteur, compositeur, interprète, hein, et ce soir, eh bien, vous avez décidé de nous offrir justement une de vos chansons inspirée de notre hymne de Saint-Pierre. Bah, tout à fait, j'ai répondu à l'invitation de Yellow Waves et je les en remercie tous. Et puis pour l'occasion, je voulais proposer un texte original et puis une musique effectivement composée par moi-même. Et puis inspirée de Saint-Pierre parce qu'effectivement les dernières chansons écrites, elles sont vraiment inspirées par notre arrivée sur ce si bel archipel et on est très ravis d'être là, merci. Alors quel est son titre à cette chanson ? Et bah, tout simplement Noël à Saint-Pierre. Merci. Voilà,
Voilà donc une très très belle composition. Merci Olivier de nous l'offrir ce soir, c'est un grand plaisir. Ben merci, ça m'a vraiment fait un grand plaisir pour moi aussi de partager mon univers et puis un petit bout de ce moment avec l'archipel. Alors c'est pas fini, vous nous avez préparé une deuxième chanson. Une chanson d'un groupe qu'on aime beaucoup ici à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le groupe, c'est les Pogues. Oui, tout à fait. C'est vraiment le groupe emblématique de ma jeunesse. Alors voilà, j'ai choisi de réinterpréter une chanson qui avait été écrite par ce groupe pour Noël qui s'appelle Fairy Tale of New York. Je fais une version un petit peu douce pour écouter au coin du feu. Merci d'être avec nous. Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, there are old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby. I can see a better time when all our dreams come true. Calabigas bow, they've got rivers of gold, but the wind goes right through, it's not place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me. You were ready, Queen of New York City. When the band finished playing, they howled out for more. Sinatra was swinging, all the drunks they were singing. We kissed on the corner, then down through the night. The boys are the à Olivier, donc un artiste que nous allons probablement pouvoir apprécier sur les scènes de notre archipel. C'est un duo que nous accueillons maintenant, un duo qui existe depuis cet été, me semble-t-il. C'est Robin et Naïla. Bonsoir Naïla. Bonsoir. Et oui, depuis cet été, une très belle rencontre. Alors raconte-nous tout, comment ça s'est passé ? C'était un coup de foudre musical. On s'est rencontrés, Robin et moi, et à la base, c'était pour dépanner. Vraiment, parce qu'on n'avait pas le temps avec Pascal. C'était un duo acoustique à la Saline. Il y a énormément de choses faites à la Saline cet été. Et donc, j'ai demandé à Robin, parce que je savais qu'il faisait un petit peu de gratte, et je lui ai dit, est-ce que tu peux faire deux ou trois chansons avec moi ? Il m'en manque. Pas de problème. Et là, c'est passé, mais tellement bien. On arrive à faire... on a fait un répertoire, je pense, en 2 heures, une fois. La veille d'un concert. Et je pense que le feeling passe tellement bien. On a juste à se regarder. On sait ce qu'on va faire. On s'accorde énormément. On se laisse la place à chacun. On s'écoute beaucoup. Et puis ça roule, quoi. Alors qu'on vient de deux univers assez différents pourtant.
Alors comme ce soir d'ailleurs, hein, c'est la preuve parce que finalement tu travailles, enfin vos horaires étaient un petit peu décalés et pourtant vous êtes là, en très peu de temps vous nous avez préparé deux chansons. Alors tout à fait, comme on avait déjà relevé le défi, on s'est dit bon, si on l'a fait une fois, on peut le faire une deuxième fois et puis on tenait vraiment à être là. Des chansons de Noël en plus, c'est vrai que c'est rare qu'on se dise bon, on fait jamais ça à part pour Noël, et puis c'est vrai que pour Noël, bah, jamais je me suis dit je vais chanter une petite chanson et puis donc du coup ça m'a permis de découvrir quelques classiques. Chanter, parce que quand on les écoute, on se dit « Oh, bah, je la connais très bien cette chanson ». Mais non, 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 je la connaissais pas du tout. Donc, on a répété tous les deux et puis on a réussi à vous proposer quelque chose qui tient la route pour moi, qui est plutôt pas mal. J'en suis certaine. Alors, premier titre qu'on va pouvoir apprécier maintenant. « Have yourself a merry little Christmas ». Naïla et Robin sur la première. A merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our trouble will be miles away. Once again in the olden days. In the olden days. Oh, in the golden days. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Voilà donc Robin et Naïla, ben on a l'impression que vous avez répété ça pendant des semaines finalement. Pas du tout. Et l'autre encore mieux, enfin d'après moi, moi c'est ma préf la deuxième. Voilà, Frank Sinatra aussi d'ailleurs. Et oui, on est à fond sur Frank Sinatra, on aime bien, je trouve que c'est typique l'esprit des fêtes, hein. C'est vraiment l'original quoi, on l'a tous entendu celle-là. C'est sûr. Donc ce sera quel titre? Alors cette fois, ça sera, tout le monde la connaît. Let it snow, let it snow, let it snow. Merci d'être avec nous. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show sign of stopping, and our brush so cold for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying,
And my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When finally say goodnight, I'll be going out in the storm. But if you hold me tight all the way, I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Et bien voilà, c'est avec ce magnifique duo que nous refermons malheureusement déjà cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les artistes qui ont rendu eh bien, cette émission possible. J'espère qu'on va les retrouver très bientôt sur les ondes de Saint-Pierre-et-Miquelon, la première. Ce qui est sûr, c'est que ces chansons, vous allez les retrouver jusqu'au 25 décembre. On va se régaler, évidemment. Merci à l'association Yellow Wave, sans qui eh bien, ça n'aurait pas été possible. Et on vous souhaite bien sûr un très très beau temps des fêtes. Au revoir.